Les amis, bienvenue dans ce premier vlog de vacances où je m'en vais vous faire découvrir des lieux absolument magnifiques et même pour certains, mystérieux avec des histoires vachement glauques. Après tout, on est en Alsace. Allez, je vous laisse kiffer pour cette première partie. Ça shampooine le matériel. Oui, tu peux, tu vas sentir tout bon. On va bien dormir à l'intérieur. Voilà. Moi aussi, tu peux. Dit qu'il faut prendre soin de sa maison. Ceci sera ma maison pendant un à deux jours, donc voilà. Il y a des personnes qui pensent que laver sa tente, c'est pas bon, d'autres qui le conseillent. Moi, personnellement, je voulais pas dormir dans un truc qui sentait la cave, le moisi, l'horreur. On va sentir tout bon. Très dur à rincer, ce truc. Ça n'en finit pas. Il a fallu l'accrocher là-haut, là. Allez, on continue. Et voilà, il faut que ça sèche maintenant. Bon, on sait pourquoi on veut un jardin dans la vie, mais ça fait partie des bonnes raisons, quoi. Un vrai plaisir. Allez, sèche, sèche. Bon, bah retour de chez Decathlon pour acheter les petites pièces manquantes. Qu'est-ce qu'il n'est pas arrivé avant le départ? Un de la cage de pneus. Bah oui, parce que ça ne peut pas se passer bien, bien sûr. Ici, c'est la maison des malheurs, comme d'habitude. Et bah voilà, il m'en manquait une. Je me suis pris une petite tasse à poser sur le réchaud pour les tisanes, les cafés. Et ça, c'est hyper cool. Franchement, c'était pas très cher. Pour 17€, on a une casserole vachement légère. C'est vraiment un service de personnes avec assiette et couvert x2, quoi. Enfin, trop trop cool, hyper pratique. Alors, très très drôle, je me suis habillée chez les enfants, c'est du 12-13 ans. Voilà, 12-13 ans, ça coûtait 10€ à Decathlon ce pantalon de pluie qui coûtait plus cher chez les adultes. Et franchement, c'est même encore trop grand pour moi. Enfin, je comprends pas leur délire, on dirait pas du tout du 12-13 ans quoi. Très très cool. Bon bah les rois de la galère, partie 2. Notre matelas a un trou, on est en train d'essayer de le colmater, je ne sais pas trop pourquoi. On a mis une rustine avec une colle. Franchement, c'est pas mon idée. J'avouerai que j'ai pas du tout envie de baser ma nuit là-dessus. On est censé partir demain. On teste le matelas aujourd'hui qui était parfait la dernière fois qu'on l'avait essayé. Et voilà. C'était très long de faire tout ça. On part demain. C'est parti, on est prêt à bouger. Allez. Départ imminent. Ça y est. Mesdames, messieurs, la région. Ils prennent tellement de place que c'est deux sièges à eux tout seuls. Voilà. Ça rentre pas là. Et voilà, on est arrivé. Très très cool. Et voilà, on est arrivé à Saverne. Hyper cool. Bon bah, il n'y a plus qu'un. Oh, une vieille cabine téléphonique, c'est une maison à livres. C'est trop bien ça. On va aller voir. Franchement, genre ça, c'est la poste. Ma poste, elle a pas la même gueule. Hein. C'est beau, hein, franchement. J'aimerais trop avoir des vieilles bâtisses comme ça. Bon, on en a à Strasbourg, mais voilà quoi. Il y a les châteaux du Rohan juste là. Il est trop beau. Demain, il faudrait qu'on aille le voir. Là, aujourd'hui, la priorité, on a juste besoin d'un petit magasin, acheter de l'eau et rejoindre le circuit de la forêt. C'est beau quand même. Hein. C'est très, très Harry Potter. Imaginez ça comme ça, genre avec de la brume. Les bâtisses comme ça fait très witch, très Salem. On pourrait regarder des maisons en Salem là. Le haut bar. Mais regardez en bas, enfin j'ai un petit problème de flou, mais genre il y a écrit la table des sorcières. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est quand même sympa d'avoir la vue, genre du calme, comme ça, genre. Vraiment petit village, parfait pour octobre. J'imagine des citrouilles partout, de la brume, et t'as là, tape des sorcières, c'est trop stylé. On a une grande montée depuis avant. Je vous cache pas que c'est un peu dur là. On a une maison abandonnée là. Ou alors c'est des gens en vacances, mais ils sont partis très longtemps. Waouh, ça serait cool. Attends, ces deux trucs, déjà il y a un terrain, il n'y a plus rien. Oh non. Non, c'est juste le terrain, Alix.
Voilà, c'est le début de la montée. Il est très haut ce banc. Moi je m'assois là-dessus. Comme les enfants, regarde. Ah, regarde. Je suis très loin du sol. Si ça, c'est pas merveilleux ça. Petit réchaud et cafetière à l'italienne avec des bons petits gâteaux. Est-ce qu'on n'est pas bien là? On reprend des forces avant de prendre la route. Non! Non! Voilà, bravo. Je recommence. Est-ce qu'on n'est pas bien ici là? Petit pain fromage. Oh là là, le café. Ah, c'est fantastique. Ah, si c'est pas le bonheur ça. C'est bon, c'est bon. Quel plaisir. Juste du sucre là. On va rajouter du sucre et voilà. À la vôtre. On a croisé une colonie qui fabrique des cabanes. Elle est trop bien celle-là. C'est très très bon. Je suis en train de crever franchement. Ça commence à être très dur à vélo. Bon, c'est pas un chemin cyclable, on a exprès pris parce que on veut repartir de l'autre côté. Vu qu'on est parti pour deux jours, trois jours peut-être. On a besoin de notre petit véhicule. Hein. Tu vas y arriver? Ah, c'est chaud, faut que je coupe pour pousser mon vélo là. Ça y est, on s'en approche. Je jure qu'à pied, ça n'a rien à voir qu'avec du poids et du vélo. Hein. On arrive. Un peu plus. Ah ouais, c'était une porte là-haut. Ah oui. Entre les rochers, t'imagines? Ah oui. Ah, c'est ouf, hein. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment là... Tu regardes Game of Thrones, tu viens là. Ou Harry Potter. Ah, mais vas-y, il faut de la brume, il faut des citrouilles. Un festival médiéval de sorcières ici, là, c'est terrible. Bon, allez, maintenant, je vous emmène faire la visite avec moi. On va essayer de faire de la vidéo un peu plus stable. Ce que j'ai fait jusqu'avant, c'était une main libre en tenant les affaires et le vélo. Je découvre en même temps que vous. Ah, c'est tentant. Hein. C'est tentant. On a prévu de camper, mais c'est tentant, quoi. Ah, c'est bien beau, là, putain. Tu mets de la brume, tu fais un Harry Potter la suite, quoi. Hein. T'as vu là-bas? Je suis tout de suite intrigué, là. Regarde Alix. Oh. Ok. Vraiment, mais vraiment Harry Potter en fait. On va chez Hagrid là, qu'est-ce qui se passe? Harry! Harry! J'aurais pas confiance de manger là-dessous, je sais pas pourquoi. Ouais, fallait pas espérer qu'il y ait personne, on est en plein mois d'août bien évidemment. Puis à mon avis, il y a toujours du monde ici. Mais c'est vrai que j'aurais kiffé une visite exclusive. Juste nous et la caméra. Ok, on a déjà un premier plateau. On va avoir une première vue. Oh là là. Ah, c'est déjà beau là, c'est déjà bien sympa. Ah oui, nous on vient de là-bas, voilà. Putain, mais un petit décor comme ça serait beau pour un film ici. Oh, oh, elle est belle. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Putain, c'est vraiment bel endroit. C'est un super château. Oh, la vitrail, elle doit être belle de l'autre côté. Pff, non, mais il y a la maison d'Hagrid là-bas, Alix. Regarde. Oh, mais on peut... Est-ce qu'ils ont déjà tourné des films ici, tu crois? Franchement, il faut tourner des films ici, mais comme c'est beau. Regarde, c'est la maison d'Hagrid. Mais je déconne pas. Hein. Il faut venir ici de...
faut venir ici le soir, comme ça, avec des petites lampes torches. Est-ce qu'on rentre là-dedans avec nos sacs? Oui, on rentre. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop con, c'est fermé. Regarde! Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Ok, donc là on va se faire une petite montée. Très cool, c'est parti. J'avais vu les gens monter au loin, on y va enfin, c'est chouette. Super. Pff, putain, la vue elle est juste incroyable, c'est trop trop beau. Ah, c'est un truc de fou. C'est haut, hein? Wow. C'est trop beau. Allez, on continue. Ah, j'aime trop. J'ai vraiment envie, t'as envie de marcher le soir ici avec une petite lampe torche. Du vrai feu à la main, là, et avancer. Wow. Trop trop beau. Waouh, putain. C'est vraiment loin de la ville, c'est un bonheur quoi. C'est toujours un bonheur, mais là c'est très très beau. Hein. C'est vraiment waouh. On va se poser un peu. C'est trop beau. Trop, trop beau. Je suis pas confiant, je vais faire arrête de faire secouer le bout comme ça. Là, ça va être très raide, hein. Comme descente. Ça va être très très cool. La vue, oh là là. Regarde-moi cette vue, Alix. C'est vraiment trop beau. Regarde-moi cette vue, regarde là. On dirait. Putain, on peut tout montrer Harry Potter ici. Faut compter combien de fois j'ai dit ça dans la vidéo, vraiment. À Saverne. Ouais. On est à Saverne. Ouais. Alors c'est sympa. Hein. Oh, c'est dingue, il y a des gens, c'est plus de rue. Et c'est pas fini. Non, j'ai pas vu.
je vous ai mis la descente format TikTok. Mais juste comme ça, la descente était absolument incroyable. On a mis tellement de temps à monter avec les vélos, avec les chars. On est descendu tellement vite. Non, vraiment, hein, c'était incroyable. Voilà, fallait juste que je vous partage ça parce que... Oh, mais ça continue là? Non, t'as pas vu. Non, c'est petit, mais fais un film si tu veux, fais gaffe, il y a des ronces. Oh mon dieu, c'est moi que t'envoies là-dedans là. Enfoiré, il y a des ronces. Peut-être des serpents. Ah bah c'est génial. Attends, faut juste que je filme ça là, c'est pas possible. C'est tout un truc abandonné, c'est dommage. Oh, c'est plus assez. Bon, là de ce côté-là, il n'y avait rien, c'était vraiment une ruine, mais là-bas, bah là-bas aussi en fait. Je sais pas comment leur filmer, genre. Tout ça là. C'est abandonné. Je vous ai parlé de Harry Potter pendant une heure là, pendant cette visite. Maison du Griffon, un Griffon d'or, on a compris. Hein. Allez. Mais c'est une maison à ma taille là. Je suis toute petite moi. J'ai 1m63, un truc comme ça. Franchement, visiter deux trucs comme ça en une journée, c'est super cool. C'est à l'opposé, hein. On a dû revenir à... On a dû retourner à Saverne. Et on en a bavé aujourd'hui. Là, c'est la dernière montée, on peut plus rouler à présent. C'est bon. Chemin forestier. Franchement, on est vraiment pas loin. Je crois qu'on a 20 minutes de montée, peut-être plus. Mais c'est vrai qu'avec les vélos et les poids, c'est pas facile. Hein. Mais normalement, vu qu'on est censé camper sauvagement, faire un petit bivouac ici, logiquement, ça devrait être la dernière galère de la journée, quoi. Alors, quand je disais qu'il reste 15-20 minutes en montée, bah pas du tout, en fait. Non, pas du tout. Ça, c'était le temps estimé à vélo. Mais avec nos vélos, comme on a que de la pente, en fait, on peut pas rouler, en fait. Nous, on vient d'en bas. On est plus lent que des piétons. Et avec ça, à charge, quoi. Et ça va être encore long, je pense. Terre promise. Quand arrives-tu? J'étais quand même en train de penser au fait qu'on était en train de passer par là où les chevaux ont tiré dans des grandes carrioles en bois. Des dizaines d'humains entassés fous qui se comportaient comme des possédés. Et c'est le chemin par lequel on les emmenait. Pauvres chevaux, n'empêche, parce que nous on galère avec nos sacs et nos vélos. Mais pensons aux chevaux qui ont tracté tous ces humains pour qu'ils aillent là-haut dans la grotte là. N'empêche, faut pas se casser la gueule ici quoi. Je sais pas si on peut voir la profondeur en vidéo. On dirait pas, hein. Comme c'est en foin, on peut pas faire de dézoom sur ce phone, je sais pas pourquoi. Enfin voilà. Je sais pas si là on est arrivé, mais ça y ressemble. On vient de faire un peu de vélo là. Je sais pas si c'est ça, dodo, j'en sais rien. On commence à apercevoir des rochers. Ouh, cette journée ne s'arrête pas. C'est vrai qu'on a visé haut, hein. Strasbourg, Saverne. Ensuite, la ville de Saverne à vélo, le château du Haut-Bas, et revenir à vélo jusqu'à la grotte, avec un détour de 20 minutes. C'est vraiment spécial. Là, on pourrait tourner un truc avec Fredon. Ah. Ça y est, on est en train d'arriver. On est à l'arrière, j'ai aperçu une grande croix là, ici. Putain. Et je pense toujours encore aux chevaux, dans cette petite montée. Voilà. Waouh. Wouh. Attends. C'est ouf, hein. Ça y est, on est tout en bas, on est arrivé. C'est très beau, très impressionnant. Voilà. Et voilà, j'ai garé mon petit Nimbus 2000. On n'est pas bien là? Eh, c'est parti, on va visiter ensemble, hein. Je ne sais pas du tout s'il y aura du monde, il y a une famille qui est passée devant nous, j'aurais adoré vous montrer le lieu où on est juste tout seul en fait. De toute façon, si on reste un peu tard, j'espère vraiment pouvoir faire un truc ce soir. Là, il y a des grilles, normalement les grilles vont être fermées ce soir à lieutenant. Bah, après, c'est pas haute, hein, mais on verra. L'accès du site est au risque et péril des visiteurs, d'accord. C'est engageant, ça fait plaisir. Bah, tu diras, il mettait la même chose au château de Lobard avant. Hein. C'est là, Alix, regarde.
Je suis tellement contente d'avoir insisté pour venir ici pour faire cet itinéraire. On va lire après, il y a un livre des. Il y a un livre souvenir là. Il faut que je vous emmène ici ce soir pour faire l'enquête. J'espère vraiment que je peux. Tu crois qu'il y a des visiteurs vu qu'il y a des gens qui ferment les grilles? Je sais pas. Parce que là, je veux bien commencer ici. Il y a peut-être celui de cette luminosité, mais s'il y a des gens qui viennent, il y a une bouteille avant que je rêve. C'est un truc de fou. Est-ce que tu te rends compte à quel point ce lieu est mythique en Alsace? Si vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de ce lieu, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo que je vous ai faite sur les danseurs fous de Strasbourg. Il y a une sacrée histoire à propos de ce lieu. Hein. Franchement, c'est... les gens les emmenaient de Strasbourg pour venir ici même vivre des exorcismes et tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. En fait, c'est un lieu de culte spirituel, mais j'ai quand même envie de trop de faire une enquête paranormale ici. Je suis quand même contente de me dire qu'on a vraiment marché beaucoup, beaucoup d'heures. On a vu gros aujourd'hui et on arrive au bout quoi. Faut juste qu'on trouve un lieu où bivouaquer. Mais c'est trop beau là où on est. Hein. Putain, c'est tellement beau. On pourrait bivouaquer là. Ça serait tellement géant, ça serait cool. Je crois pas que ce soit autorisé, mais oh là là, regarde Alix. Oh putain, non. Ça c'est génial, on va se poser là pour manger, là, regarde. Regarde ça. Ah, je veux cette table. Ah non, c'est tellement de bonheur, là. Tellement d'efforts, mais ça valait le coup, hein. Oh là là, mais c'est tellement bien, quelle chance. Imaginez-vous en automne ici, genre avec un bon chocolat chaud, de la brume et la vue là-dessus, mais c'est incroyable. Magnifique. Bon, on avait prévu de faire ça dans une journée grise. Le soleil est sorti, hein, voilà. Quelle récompense après tout ce trajet. Donc en gros, on était là en face. Là-bas, c'est le château du Haut-Bar. Quand je vous ai fait des vidéos et tout sur le pont, c'était là-bas. Et on a dit, comme il n'y a pas de chemin dans la forêt qui relie les deux endroits, on a dû retourner jusqu'à Saverne pour revenir ici, quoi. Et c'est un truc de fou, en fait. C'est trop trop beau. Il y a encore tellement de choses à visiter. Sachez que vous êtes un enfant de l'univers. J'aime trop les petits yogiti comme ça que j'achète à la boutique bio. Quel bonheur, quel réconfort. Est-ce qu'on n'est pas bien là, franchement? Je vous le demande. J'espère tellement bivouaquer ici. Oh là là, la journée était si longue. Allez, on va découvrir la suite. J'aurais adoré bivouaquer ici en fait pour juste descendre les marches le soir et aller faire ma petite enquête paranormale toute seule dans la grotte. Ça aurait été incroyable. Mais apparemment, ils ferment les portes à 20h. Donc je ne sais pas qui s'occupe de faire ça tous les jours. J'ai pas trouvé de réponse sur internet. Franchement, ici, ça aurait été parfait. On va rester dans les parages pour voir. Attends, viens, il y a des indications là-bas, on va regarder. Mais il est franchement paradisiaque cet endroit. Hein. Je sais pas, on va regarder ce qu'il y a autour, mais en vrai, on peut même bivouaquer là-bas dans les environs. Hein. Ah, j'ai lu un truc là-dessus, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est les restes d'une ancienne chapelle, un truc d'église de chapelle. Ici.
c'est parti, on reprend la route. J'ai encore ma petite tisane. On est bien là. Je suis en train de me faire un petit pâté vegan à la terrine forestière. Pour ceux qui mangent pas de viande, je vous conseille, c'est hyper bon quoi. Avec un bon pain aux céréales. Est-ce qu'on n'est pas bien là ?